Ah ouais. Ah c'est choquant, c'est choquant. Là, t'as fait les démerveilleuses. Les démerveilleuses. Brevet. Oh, les démerveilleuses brevet. Les idées merveilleuses. La religion. Ah, la religion. Les idées merveilleuses, la religion. C'est ça. Hein? C'est ça. Attention, je l'ai fait, je l'ai fait. Attention, je l'ai fait, 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 je l'ai fait. Bravo. Bravo de pas douter que tu l'as fait. J'ai rien dit, c'est tout, j'ai rien dit. Ils l'ont pas dit, ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Voilà. Comment j'improvise tout ça? J'improvise avec des idées merveilleuses. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est l'histoire qui va me dire ça. J'ai pas longtemps à rester ici, j'ai pas longtemps à rester ici. C'est dans le cœur que ça se passe, dans le cœur que ça se passe. Et là, il y a du talent, il y a du talent, du grand talent. J'en sais rien si on m'a vu le faire. On m'a vu le faire par ici, par ici, par ici, par ici. C'est pas merveilleux, ça? C'est pas merveilleux? C'est une entreprise impossible, pour certains. Et sachez, messieurs, que le seul moyen d'accomplir l'impossible est de croire qu'il est possible. Les connaissances deviennent possibles. J'en prends sciemment le risque. Imaginez des conseils. C'est pas platier, hein, c'est pas platier. Ici, on est chez moi. Il n'y a pas de doute que c'est chez moi. Et je me fais longtemps les reconnaissances, même les reconnaissances. Il n'y a pas de doute que je vais le faire. Cet ancien qui savait pourquoi il était dans la Mecque, c'est en fait le premier imam qui le croyait comme chez lui. C'était comme sa propre condition. Voilà, c'est ça, sa propre condition. Il y a un risque, hein, il y a un risque potentiel. Un risque que je le refasse, il y a un risque potentiel. Parce que je l'ai déjà fait, en fait, je l'ai déjà fait cette image. Donc je suis revenu ici pour vous dire que ça c'est chez moi et que ce n'est pas de la connaissance. C'est en fait une rencontre. Il y a mes signaux, tous mes signaux, mes directions. Qu'est-ce que j'ai voulu vous parler de mon histoire? Bah, mon histoire, c'est effectivement une succession. Une succession. Une succession, premièrement, qui est sur l'attente de toute la communauté, toute la communauté. Il y avait une certaine partie qui était d'accord avec le fait d'avoir une rencontre pour inspirer le temps venu, la religion. Cette rencontre, elle devait être tout. Elle devait symboliser tout. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'un symbole? Un symbole, un symbole. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Donc un symbole. Quel est le véritable sens de la vie? Votre comportement. C'est une loi. C'est une loi. Une loi qu'on a créée. Une loi qu'on a créée. Il fallait que je me dise ça depuis longtemps. C'est une loi. Une loi. Pour que quelqu'un soit là. Et que quelqu'un puisse l'émettre. Tous. Dans son idée. Donc qu'est-ce que je me disais? Je me disais qu'il fallait peut-être que j'envoie ma connaissance. Puisque personne ne pouvait prouver ce qui était encore la religion. Quand il n'y a que de la distance, il n'y a que de la croyance. Qu'est-ce qui la prouve?
J'ai pensé, c'est peut-être un moyen. Un moyen tout simplement de... Un moyen de se faire intelligent. Se faire intelligent pour montrer tout simplement que c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il est, ce qui, tu vois, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est à la norme, hein? Est-ce qu'il est à la norme? Est-ce qu'il est à la norme? Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il est quelqu'un? Voilà. Donc c'était lorsque je l'ai mis que j'ai su que c'était quelqu'un. Là j'ai su que c'était quelqu'un. Mais c'est pas vrai. Alors c'était moi. Je veux dire, c'était cette chose, ce soulier là, c'était ce soulier là. C'est important le soulier. Et voilà. Voici. Après mes souliers, j'ai estimé le soleil levant. Voilà, j'ai estimé le soleil levant. Quel est le soleil levant? Voilà. En regardant de plus près, il est clair. Voilà. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il est clair, le soleil levant. Il est clair. Jusqu'ici, il y a des capacités. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas tout? Là, on lit pour l'instant. On lit ce qui se passe. Pour l'instant, là, on lit ce qui se passe dans l'eau. On lit ce qui se passe dans l'eau. C'est pas païen, hein, c'est pas païen. C'est une pratique. Du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il faut lire le Coran dans l'eau, la sourate al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Voilà. On a lu la sourate. Qu'est-ce qui nous vient? L'éclair. La jeunesse. Le peuple. Qui voit de ses propres regards la volonté du prophète, la volonté du prophète. Si vous voulez savoir, la pierre au commencement à la Mecque n'était pas noire. Elle était plutôt de cette couleur-là. Elle est devenue noire, selon l'histoire, à cause des péchés des croyants. Et en fait, j'en aurai l'explication. Ils ont sali la pierre, tout simplement. Ils l'ont sali. Donc à la fin, ils ont dû s'y faire à ce qu'elle soit plutôt de couleur noire, c'est-à-dire un peu ancienne, tout ça. Mais qu'est-ce que l'ancienneté, alors? Elle n'est pas le péché dans une religion qui veut la dernière communauté. Donc, quelle est la conclusion? La conclusion que j'ai menée quant à la dernière communauté est qu'elle doit posséder un esprit de travail équitable. Équitable pour ne pas que les croyants aient à pécher pour pouvoir continuer leur religion. Il arrive parfois que les croyants se sentent dans l'obligation de le faire parce que, par exemple, on leur demande de tuer pour qu'ils puissent garder leur position dans le royaume. Est-ce que c'est suffisant comme explication? Ben, il faut en fait que le royaume soit équitable avec chaque croyant, pour ne pas qu'il y ait en fait trop de positions qui se valent, mais plus les positions de la dernière connaissance. La dernière connaissance qui laisse la position prendre, la dernière vie pour le travail et donc la continuation des nouvelles places dans le nouveau royaume. Voilà, c'est ça. Pour favoriser une telle option, favoriser en fait une succession au sein même
de la religion. Cet arbre est l'idée que j'en fais du royaume d'Allah. Je veux mettre en bas ceux qui font le faux messie encore. Ne pas donner assez de position à ceux qui le méritent dans la pensée de la Mecque. Même dans les peuples, le rôle est de faire grandir. Grandir ce qui est sous la direction du plus noble. Le noble doit exprimer l'idée de la connaissance. La connaissance est pour tous ceux qui en veulent et qui y croient. C'est tout. Mais c'est le porteur de l'idée. Le porteur de l'idée qui a la rencontre. La rencontre avec la religion. Elle est en fait tout un temps. Toute une connaissance, un dévoilement du rôle de la rencontre avec les prophètes. Est-ce que c'est suffisant? Si j'exprime mon idée et qu'elle est reçue comme étant la meilleure position, elle est en fait rattrapée. Rattraper les croyances qui sont dans la religion, les rattraper, voir après le seuil de la rencontre avec le dernier royaume, aller au Cham pour voir où les grains ont donné de bonnes germes, et finalement vous atteignez le haut de l'idée qui est connue, qui est la maison de Dieu.